les amis, bienvenue dans cette nouvelle aventure d'un boucher sur la map North Frisian Marsh. On poursuit l'aventure. J'avais dit que j'allais vendre, dans le dernier épisode, j'avais dit que j'allais vendre la balance en début d'épisode. Bon, vous vendre ça. On va faire ça en plus. On va peut-être sauter le 100 000. Non, même pas. 95 000, en tout cas. Mieux que rien. C'est mieux que rien. On va vendre ça. Je voulais faire la mission. À cause, tu veux pas y aller? Même ça, là. J'ai pas de chemin pour aller à la ferme. Ah bon. Pas de chemin pour aller à la ferme. C'est possible. C'est possible. On n'a pas commencé tous les trajets. Tous les trajets ne vont pas toutes vers la ferme. On va en faire un. On entend les points. C'est les points orange qui se met. Moi, je préfère aller à 25. Bon, entre 25 et 30. Ça m'évite de faire des erreurs. Quand je fais un trajet d'autodrive. Après ça, je devrais être correct. Ouais. Je devrais être correct pour aller à la ferme. On va pouvoir sauter dans la mission. Je voulais faire la mission du champ 11. Le temps que je finalise la fin de l'épisode, puis. Puis tout ça. Ça a fait que j'ai pas pu prendre la mission 11. Ça va être une mission. Excusez. Ça va être une mission un petit peu plus longue. Là, il va. Bon. Là, c'est correct. La mission. Va être un petit peu plus long. J'ai pris le champ 19 à faire. Le champ 19, c'est l'ancien champ 16, mais 55 000 la mission. Je pense que ça va valoir la peine. Mais bon, ça me coûte en frais. Je vais redonner à peu près, je pense que c'est 6 500 à peu près. Là. Je vais redonner pour le matériel. Ici, c'était champ 16 avant. Alors, quand je vous dis qu'il y a tous les numéros de champ, là, je suis tout perdu dans les numéros. Parce qu'on part de 65, on se ramasse à 78. Les nombres de champs ont augmenté beaucoup. Ont augmenté énormément. C'est sûr que je vais vous faire un let's play le plus possible. Là, on se fait des sous, on va essayer de se ramasser le plus possible de sous pour le moment. On va faire des missions à gogo. À le temps que je vende ça, 17, est-ce qu'on vend les balles d'ensilage pour se faire de l'argent? On va se faire des sous, tranquillement, pas vite. On a commencé par un champ d'herbe. On a un champ pour commencer. On a un champ d'herbe. On a le champ 4 et 5. On va regarder quand est-ce qu'il serait prêt. Ça va prendre du temps, encore, avant de racheter un autre champ. C'est sûr que le champ 6, il faudrait que je le laboure aussi. Il faudrait que je commence par vendre mes ballots. Le temps que je vende des ballots, le temps que je... Il y a peut-être des grosses chances que... On a le temps de... Avant de le labourer, je pense qu'il va avoir le temps il va avoir le temps de repousser avant de le labourer. Mais on va le labourer le prochain coup. On ferait peut-être regarder pour. C'est quoi qu'on va partir des animaux.
Je ne sais pas si on partirait d'un vache ou on va partir dans les moutons. Les moutons, j'ai pas. Cette petite ferme-là, pour les moutons, c'est un petit 100 000. On pourrait partir par ça parce que la première chose que j'ai présentement, j'ai justement de l'herbe. J'ai même la machine pour faire le foin. On pourrait se faire ça pour commencer. On pourrait faire ça, du foin. Parce que je peux avoir aussi les silos. J'ai des silos pour le foin, je pense aussi. Me souviens plus, hein. Il y a lui qui peut. Le stockage de paille et de foin. 500 000 litres, donc je pourrais installer lui pour mettre. Puis il coûte pas trop cher. Il coûte pas trop cher. On pourrait prendre ça. Je pense que c'est ça qu'on va faire, là. Après, on va se faire encore peut-être une ou deux missions encore, là, pour être capable de s'acheter le silo, acheter la ferme. On va se faire une couple de missions. On va commencer avec les moutons, les amis. On va commencer avec ça. Je pense que c'est une bonne affaire de commencer avec ça. Ah, tourne pas. Ah. Baisser les poignées charrues. Tourner, permettre, non, pas ça. Ah, peut pas tourner. Je pensais qu'on pouvait la tourner. Ok, c'est beau. Si, vu que je peux pas tourner. Ah non, c'est vrai, c'est pas une portée. Là. Voilà. On va se partir plus bas. On va se faire une autre ligne. Parce que quand même, la laine est quand même payante. Quand même payante. On va commencer par ça. Les vaches, ça va venir un autre tantôt. J'ai toujours bien aimé partir avec les moutons. Être capable de s'en acheter une bonne quantité. Là, j'espère que dans le dernier épisode est à votre goût, les amis. J'ai travaillé fort pour que les sons soient corrects. Dans cet épisode-ci, les sons devraient être corrects aussi. J'espère que ça va vous plaire parce que là, je pense que j'ai trouvé mes réglages. J'ai hâte de voir avec le nouvel ordi. Là, ça devrait être correct. C'est pas toujours évident, les logiciels. Des fois, les logiciels nous causent des soucis Puis on s'en rend pas compte par après. Ça se modifie. On modifie bien les choses. Mais que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Faut pas trop s'en pleurer. Moi, ce que j'aime bien, c'est tourner ces épisodes-là. Là, c'est sûr que je vais avoir tout qu'un épisode à tourner, à faire ce champ-là. On va sûrement couper des bouts. On va sûrement qu'on en couper des bouts. On va vous jaser ça le plus possible, bien sûr. Ouais, j'avais pensé m'orienter vers ça, là. Vers les moutons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour commencer tranquillement, pas vite. Les moutons, je pourrais faire bien plein de missions, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi passer à l'étape production animale. Après ça, il va y avoir bien sûr la production des usines. Commencer avec la production des usines. Parce que là, comme vous savez, sur cette carte-là, à date, là, dans les productions, il va falloir que je pense aussi à. J'ai la scierie qu'il va falloir acheter. On a ça ici. Il va falloir que je pense à acheter pour faire de nos engrais. On a notre silo pour faire notre assèchement. Tu sais, j'ai plein de petites. On va commencer par ça, à moins que je m'en irais à acheter celle, la scierie. Ah, pas la scierie, mais la.
L'usine de diesel est assez chère. On va commencer par les moutons. Je peux pas commencer par les vaches. Je ne veux pas commencer tout de suite par les vaches. Commencer par les moutons. J'ai pas envie de commencer non plus par l'ensilage. La carte est renommée pour ça, faire de l'ensilage en masse. Mais faire de l'ensilage, c'est bien le fun, non? Mais des fois, c'est un peu relou. Parce que ça, c'est pour les copeaux. Ouais, il faut de la paille. Paille, puis des copeaux. Faut acheter ça certain, puis ça nous produit de l'électricité. 1 100 000. Mais là, j'ai pas d'argent. Dites-vous une chose, cette série-là, elle va être longue. Là, c'est sûr que pour le moment, je vous fais une vidéo par semaine. Je vais essayer d'en faire. Je dis pas tout de suite, peut-être d'ici un mois. Là, je vais essayer de peut-être vous en faire deux par semaine. On va voir comment ça va aller. Là. Faut dire aussi que j'ai oublié de vous dire que je ne joue pas sur FS22, j'y joue pas, à part de jouer sur pour la série. J'ai aucunement joué sur aucune map. J'ai commencé des petites parties, mais sans plus. C'était rien que pour découvrir le jeu, découvrir les modes. À date, les modes, c'est pas vareux. Pour moi, à date, je trouve pas grand-chose. Il y en a qui trouvent super. 22. À date, j'ai rien. Je joue encore pas mal au 19. Je sais pas pour vous, mais moi, j'y joue encore pas mal au 19. Les deux bonnes maps. Malgré que je joue pas mal un sur une, là, je joue pas mal sur la NF map. NF marche FS19. Il y a la map Golden Spike, l'épi doré. Excellente map. Peut-être que j'avance un peu sur celle-là. Mais sur FS22, je suis pas mal sur cette map. Il y a 62 heures, ce bourrin-là. C'est sûr que lui qui me l'a prêté, c'est pas à moi. Hein. Il n'est pas à zéro. Il n'y a pas grand heure sur cette map-là. Je dois avoir. Où est-ce qu'on voit ça? Pas là. Et 23 heures sur ta map-là. Je dois avoir à peu près 50 heures en hein, tout et partout. 50-60 heures. J'ai pas plus que ça. Il n'y a pas grand-chose qui m'attire. Il y a quand même des bons modes, là, mais pour choisir nos modes pareils. J'aime bien jouer avec plusieurs modes, mais surtout les cartes. Peut-être qu'il y aurait une autre carte, peut-être, mais là, pour le moment, c'est pas mal ça. Je joue pas mal pour la série, là, en temps. Bon, ben, je pense que je vais vous faire ça en let's play, les amis.
Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young. Là, j'ai coupé des bouts, j'en ai laissé un peu, je vais en laisser un peu. Je sais pas comment ça va donner de vidéo. C'est sûr que la vidéo va avoir rapetissé pas mal, les amis. Je vais avoir passé la journée là-dessus, ce champ là ça va avoir été très ardu. J'ai même commencé une autre mission. Je vais essayer de m'amuser avec le courseplay à travers ça. Vous n'aurez pas d'image parce que justement, je vais couper ces bouts-là. J'ai eu de la misère avec le courseplay. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Mais c'est vrai que peut-être que j'ai pas la dernière version non plus. Peut-être que j'ai peut-être pas les deux ou trois dernières versions. Ça a l'air à être problématique. J'ai de la misère avec. Il n'est pas le courseplay qu'on avait sur le 19. Il est un peu plus imbécile que sur le 19. Sur le 19, c'est vraiment plus intelligent, plus facile à manœuvrer, plus facile à activer ou à programmer. Je le trouve un peu ardu sur le 22, le courseplay. En tout cas, j'ai essayé de fermer les choses tout en labourant ce champ-là. Il reste encore 2%. D'après moi, deux lisières sortant. Sûrement une, sûr. Sûrement une. En tout cas, on va avoir été payante.
cette mission-là. Ouais, c'est ça qui est ça. Je vais avoir coupé. Je vais avoir fait. Ouais, bah. Je sais pas pour faire tout un let's play du champ au complet. En temps sur la vidéo, sur le jeu, on dirait pas, mais en réel, j'ai passé une bonne dizaine d'heures, 10-12 heures là-dessus, là, sur le champ, sur le labourage du champ. On peut pas mettre d'ouvrier. L'ouvrier marche pas. On peut pas mettre d'ouvrier. Dans ce temps-là, faut le faire. C'est une mission. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit mission. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. Je vais la raccourcir le plus possible. Là. De toute façon, c'est rien que du labourage. Hein. On a blablaté en début de vidéo. On jase en fin de vidéo. Après ça, si vous voulez que je fasse autre chose que les moutons, vous me le direz, vous avez juste à le dire, parce que je pense bien que c'est ça qu'on va faire. Je vais faire les moutons dans cette série-là. On va commencer par ça. On fait les moutons. On va commencer par ça, les moutons. Ouais, bah, ça chef. On va se rendre au bout, d'après moi, on va être à 100%. Puis, j'ai hâte de finir. Je vais être bien honnête avec vous autres, là. Je suis bien hâte de finir. J'avais peut-être pensé faire finaliser la. Semer le champ 49, la mission du champ 49. J'en ai une bonne partie, on a à peu près 74% de fait, pareil. Même si j'ai ouais, j'ai réussi à faire ça en même temps que je labourais. Comme je vous dis, j'avais des problèmes de course play. Bon. Parce que fini. J'avais des problèmes de course play. Je sais pas si c'est dû. J'ai pas fait les mises à jour du course play. Parce que là, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je suis en train de tourner ces épisodes-là sur mon ancien ordinateur. Ben, mon ancien et nouveau. Ancien. Mon ancien ordinateur. Parce qu'après ça, les prochains épisodes, ils vont être tournés sur mon nouvel ordi. Parce que je vais me servir de mon ancien ordi juste pour le montage des vidéos, faire les rendus. Je ne jouerai plus avec. Ah, fini, fini. Oh, fini. Oui. Fini. On rend la mission 55 000. Tourlou. Oh, la meilleure affaire. 48 000, 48 800, ben correct. Je suis bien correct. On peut finir un peu là-dessus. Ça aussi, c'est une mission, hein, quand même, un petit 20 000. Mais je n'aurai pas de location d'équipement. Ça va être. C'est mon équipement qui a fait. C'est sûr que c'est du 6 mètres. J'ai pas le gros tracteur. On se fait des sous, faut se faire des sous. Comme je vous disais, ouais, ben c'est ça, mon nouvel ordinateur. Il va servir juste pour jouer. L'autre, il va servir juste pour les rendus. Mais il va me manquer un écran. À la date, il me manque un écran. Faut me trouver un autre écran. Là, j'irai voir pour un écran. Quoi. On va aller voir, peut-être. Je pourrais aller voir petite forme. Ah, il y a une boutique, il y a une boutique informatique en bas de la ville. Je pourrais aller voir là. Bon, bah, en tout cas, je parle à haute voix. Bon, bah, je pense que je vais vous laisser là-dessus, les amis. Pas trop étirer non plus. On va se garder de la rosette pour les prochains épisodes. Surtout de l'avancement de la partie dans le prochain épisode. On va finaliser cette année. Cette mission-là dans le prochain épisode. Ou peut-être bien qu'on va juste la finir. En tout cas, on va voir. Je vais peut-être la finir en off.
Bon, ben merci beaucoup les amis, puis à la prochaine.